Super. Butin de l'ogre. Alors, je pense que si je vais tout droit, je fais direction Scheisenberg. Et si je pars à gauche, ça va barder. Oh putain, je le sens pas du tout là. Cet endroit-là. Des explosifs de partout. Ah merde! J'aurais pu en tuer un, hein, tant pis. Je ne sais pas où aller. Alors c'est une scierie, là on a un animal. Putain, je sais pas. Je suis pas serein. Ah, c'est un cochon, d'accord. Attendez, pourquoi il m'affiche un bélier alors que c'est un cochon? Ouais. Je vais la voir. Hop, je l'ai eu. Ça promet, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Non, mais attendez, j'ai combien de balles, là? J'en ai 80. Oh, un truc à revendre. Comme si j'avais pas déjà suffisamment d'argent. Et là... À l'intérieur, je vais pas y aller tout de suite à l'intérieur. Je vais revenir par ici d'abord. Pas de poisson par ici? Non. Ok, des deux côtés on rentre dans la série de toute façon. Est-ce que je passe par l'arrière? Par la porte de devant, je ne sais pas. On va commencer par la porte arrière, j'ai bien envie. Aïe, 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 aïe. Oh mais non, c'en est un autre comme ça! Oh mais non! Je suis pas d'accord. Alors l'ogre en fait, je pensais que c'était l'espèce de truc tout poilu qui nous attaquait au début, mais non. Faudra que je me retape un de ces enfoirés là. Bon, mes armes sont un petit peu plus balèzes, donc ça devrait aller un petit peu mieux. J'ai deux explosifs. Qui vont bien m'aider. D'accord, ok, bon, je pouvais carrément pas y aller, très bien.
s'il faut que je me le tape là-dedans et pas à l'extérieur, ça va être galère. Oh, j'ai tellement pas envie de m'en approcher. Il s'acharne, hein. T'as 20 balles! Oh là là, mais j'en ai combien? Oh merde! Oh putain! Wow! La vitesse! La vitesse du type! Ouais, je sais pas ce qu'il y avait, mais je l'ai pas récupéré en tout cas. C'est pour ta sale gueule. Putain, il court vite et il saute partout. Ce que moi je ne peux pas faire avec mes petits... Oh, oh, oh. Sauf qu'il proute. Oh putain, il y en a partout. Ok, merde. Hello? Wouah! Wouah! Oh mon dieu, je suis piégé là, non? Non, je suis pas piégé, ok. Wouah! Putain, je pensais pouvoir l'esquiver au dernier moment, mais... Rappé. Putain! Ta mère! Wouah! 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 Putain, dans mes souvenirs, ce truc était pas aussi dangereux que ça! Wow! Il y a de la viande partout! Je prends de l'herbe, je prends je sais pas trop quoi, là, il y a quoi? Encore de la, du poisson? Oh là là! Eh ben, il m'a pas suivi. Tiens donc. Mais c'est quoi, c'est la caverne d'aller bas ici. Alors je pensais qu'il allait me suivre dehors, je suis assez surpris du coup. Ange de Nicolas. Poudre noire. Et là, nous sommes donc devant. Question, puis-je l'attirer en dehors de cette scierie? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais, ok, allez, bon. On y va, je suis chaud, là. À la place du couteau, je vais poser des mines. Il est où? Il est où? Il est là. Allez, viens. Allez, viens. Il va descendre. Tiens, c'est pour ta gueule.
Oh mais non! Putain, niquez-vous! Putain! Ah bordel! Ah! Tu pars, je vais pas avoir besoin de mon couteau. Aïe 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 aïe! Non, non, non! Bordel, mais... C'est la loose, quand même. Putain, mais il est tellement rapide, lui. Ah, bouge. Hop. Viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Prends dans ta gueule. Tout va bien? T'es encore là? Hop! Enfin, moi je suis plus là. Poudre noire, je l'ai prise, je sais pas. Mais je suis retombé, j'avais pas vu. Ah si, il y avait un trou là, d'accord, autant pour moi. Je reprends la mine parce que ça sert à rien que je la garde. Ah, il est là! Oh, ça me saoule. Vous me pétez les couilles, les gars. Oh putain, il est déjà là. Mais... Viens. Allez, viens. Amène-toi. Allez. Viens. Encore. Boum. Oh, tiens, des balles de je sais pas quoi. Ouh. Hop, une mine. Allez, viens. Viens. Petit effort. Boum. Oula, 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 oula. Faut leur se calmer, là. Ah, il y en a d'autres qui sont arrivés. 10 secondes. Voilà. Ah merde, je suis retombé. Oups, c'était pas prévu. Ah oh bah si... Wow, mais comment il m'a eu? Ah, il m'avait sauté dessus. Wow. Putain, il s'énerve là, le gars. Putain, il est pas content là. Ça me saoule ces trucs là, c'est vraiment le truc chiant de ce combat hein.
Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer. Oh putain. Oh, il est là. Ouais, casse-toi. Oh, oh. Enculé de ta race. J'ai plus de mine. Je vais en refaire une. Ou j'en rachèterai une. Je peux me permettre d'en faire une. Allez. Eh ben. Ouh. Alors, cela dit, je ne sais. J'aurais peut-être pu la tirer à l'extérieur parce que. Je suis quand même curieux de. Alors, j'ai récupéré plein de viande, je vais pouvoir faire. Bouffer plein de trucs. Pardon? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bug ou. Ah non, c'est de la poudre. D'accord. J'ai rien loupé d'autre? Oui, enfin, je voulais... Alors, je voulais tomber. Au final, je voulais pas tomber, mais il est tombé quand même. Ok, bon. Je pense que... Ouais, attendez deux secondes, là, je suis... Je suis crispé, crispé, hein. Aïe, 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 je sais pas comment je vais arriver à finir le jeu aujourd'hui, hein. Quand je vois comment je galère... Alors j'ai eu le bulletin de l'ogre, on est d'accord? Ouais, bulletin de l'ogre, il est eu. Ah! Ah, c'est vrai que j'avais buté des gars, là. Alors... Ouh! Mais alors ça... Ça me sert à quoi? Ça me sert au gars qui m'attaquait, là, ou... Je suis quand même assez perplexe, là. Ça se trouve, c'était pour les gars qui me chassaient. Ou alors, il y avait vraiment moyen d'attirer l'ogre à l'extérieur. Je sais pas. Et nous ne le saurons peut-être jamais, du coup. C'est marrant, j'ai l'impression que ça continue par là. Mais c'est bloqué, donc on peut pas y aller. Bon. Eh ben... Et ma direction Heisenberg. Après ce petit crochet. Enfin, ce nouveau crochet, parce qu'on fait que ça, j'ai l'impression. Putain, mais il m'a fait peur, lui, bordel! Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Lui, je vais me le taper à la régulière. Je rajoute juste si j'oublie rien par là-haut.
Quoique, c'est quand même tentant, hein. Merde. Je voulais pas tomber. Non, je vais l'attirer. Je vais l'attirer, puis je vais le... mettre sa race. Vous voyez, il est au flingue. Je vois plus rien. Ah bon, écoutez, où on en est. Je l'ai esquivé, je sais pas trop comment. Par contre, j'ai déjà plus de balles. Donc lui, je vais pas chercher midi à 14h. Hein. C'est tellement plus simple de faire ça, je me suis dit, allez hop, je vais en faire un au flingue, mais pff, inutile. Complètement inutile. Là, à mon avis, je pense que je vais me retaper pas mal de lycans. Parce qu'on est dans le domaine d'Heisenberg. Enfin, c'est son domaine, quoi, entre... Enfin, c'est son domaine dans tous les sens du terme, quoi, hein, je veux dire. Les lycans, il y connaît un rayon. Et je le soupçonne même d'en être un. Alors, il n'y a rien d'autre à récup, là, ou... Je cherche, hein, mais... Enfin, je vous avoue que je cherche sans chercher, hein, parce que je suis plus... sur les nerfs, là. Putain, je vais louper ça, là. Alors ça, pas d'accord. Pas d'accord du tout. Bon, on dirait bien que le récompense là-haut a disparu. Tant pis. Oula, oula, oula. Deux secondes. Ne t'emballe pas. Ah, ça, je sais ce que ça veut dire. J'ai retenu mes leçons. Ça veut dire fais gaffe... What? Ça veut dire fais gaffe aux blindés. Trésor de la forteresse. Ok, donc il est plus haut. Je pense. J'ai l'impression d'oublier plein de trucs. J'ai cette désagréable impression de passer à côté de plein de choses. Ah non mais les gars, ils sortent d'où? Voilà, on... Ah merde, il est là lui. Wouah! Culé! C'était pas prévu comme ça. Là-haut, ok. J'ai loupé. Là, je l'ai eu. Waouh! Ah, c'est une flèche.
Attendez deux secondes. Hop. Hop. Ça? What? Ok, mais ça avait l'air d'être coincé dans le pilier. Bien. On verra ça. Laisse-moi deviner, dès que je vais en avoir actionné un, ça va être la foire aux monstres. Je viens d'entendre un graou déjà là. Ou pas? Si! J'ai bien fait de me caler ici. Je crois. Oh là là, mais il y en a combien? Putain, il va se ramener lui aussi. Putain, j'ai pas eu le temps. C'est chiant parce que... Alors, il y a un truc qui est vraiment chiant dans le jeu. C'est que... Dès le moment où lui commence son animation d'attaque, moi j'ai pas le temps de me protéger. Oh, mais stop là les gars. Oh. Putain, mais ils se foutent de ma gueule, sérieux. J'en ai pété aucun. Ok, d'accord, très bien, on descend. Ça sert à rien de rester là. Amenez-vous, là. Allez, hop, ça c'est fait. Oh, mais je les ai tous eus, d'accord. Alors, il y en a encore un. Ah, il y en a encore plus que d'un, en fait. Putain, c'est super, magnifique. Et là on se casse. On remonte là-haut. Prendre un peu de hauteur. Ah, je l'ai pas eu. Très bien, je pensais. Ok, je pense que c'est bon. J'ai pas spécialement bien joué, je trouve, là. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils se débarquent tous là-haut, en fait. J'ai lancé une bombe tuyau, je sais pas si ça a servi à grand-chose, mais... Bref. Alors, où est-ce que j'aurais pu laisser des...
Attendez, me dites pas qu'il va y en avoir une seconde vague quand je vais... Alors, je pense que ça fonctionnera pas. Je vais pas gaspiller de balles. Ça n'a aucun intérêt. Alors... Ça je prends, bien entendu. Ok, ok... Je suis de retour ici... Et c'est bon, j'ai fait le tour, là. Je n'ai pas buté un, là-haut. On peut pas y aller, là-haut. J'ai vu qu'il y avait un bidon, là, que j'ai fait exploser, mais... C'est marrant, j'ai pas l'impression de pouvoir y aller. C'est très désagréable de voir les ennemis sauter partout et de me dire que moi, je peux pas. Alors, où est ce foutu trésor? Là. Il est là? Ici? Alors, est-il en hauteur? Pas du tout. Le trésor est-il juste là? Ouh là, attendez, non, là, je suis dessus, là. Donc c'est qui peut être qu'en dessous? Ouh! Il ne peut être qu'ici. Je sais pas, au pif, hein. Il est là, le trésor. Il est peut-être en dessous. Faudra qu'on voit si on peut pas aller là-dessous. Alors, comment j'étais monté là-haut, moi? Par là. Non, ils auraient un peu abusé si jamais ils avaient... ils m'avaient balancé une deuxième tournée, là. Alors, ça s'ouvre. Mais alors, par contre, putain, merde! Ça fait chier, ça. Bon, en général, les trésors, c'est rarement sur le coup hein, qu'on peut les récupérer. C'est toujours... Il y a toujours un petit décalage. Putain, ça m'a fait peur, ce bruit, là. La forteresse. Je suis quand même curieux, hein. Bon, du coup, j'en ai fait un peu la flemme de chercher, là. Je pense qu'il va falloir peut-être... je sais pas, peut-être que... On sera amené à y revenir, peut-être que... Parce que moi, ça m'a l'air d'être en dessous, hein, donc il y a peut-être un passage. Mais je pense pas que ça va partir d'ici, hein. C'est peut-être à partir d'ailleurs, peut-être de par là, ou peut-être de la forteresse, j'en sais rien, on verra. Ok, je m'attendais à une forteresse un peu moins délabrée. Merde. Ok. De pouvoir grimper, mais il me dit quand même qu'il y a encore un objet. Putain, ça me saoule. Attendez, quoi que je peux encore aller par là. Pas d'objet ici. Non, c'est où? Ça, j'ai bien trouvé cet objet. On va descendre, on va fouiller.
Voilà, je l'ai ramassé. Putain, ça me saoule. Je déteste. Je déteste ça. Surtout en plus quand il le marque sur la carte. S'il le marquait pas, j'aurais pas de remords. Mais là, ils font bien chier en disant « Hey mec, t'as oublié un truc ». Encore une fois, mon sens de l'observation est éminent. Parce que c'est encore une fois juste devant ma gueule. On est bon? On est bon. Ok. Vendu. On avance. Putain, c'est trop grand. Oh putain, il y a encore des barils de partout. Je sens qu'on est rentré dans la partie du jeu qui va être chiante, à savoir où il y a beaucoup trop d'ennemis. Et merci pour le commentaire, Ethan. Ah ta race. Ok, bon. Je pense que ça, à mon avis. Boum, deux pour le prix d'un. Ah, il est là, lui, déjà. Oh là, attends. Hop. Ah, il est pas mort, lui, je pensais. Bah, lui non plus. Bah, il était pas très... Pas très efficace, lui, dans son travail. Tiens, j'en ai vu un autre sauter. Il est là. Eh ben! J'ai hésité, mais je pense que si j'avais su, j'aurais tout acheté chez le marchand. J'aurais acheté les balles, tout. Ah, mais là encore! Ah, mais il est déjà là! Quoique, il est tout seul, c'est bon. Hop. J'ai plus de balles, donc on va retourner au fusil. Quoique, j'ai de quoi en faire. Poudre noire, ferraille, un peu, ouais. Je sais pas si ça valait vraiment le coup, mais bon, bref. Mais il y en a encore! C'est pas fini! Il y en arrive de partout! Bon, écoute, on va faire comme les autres. Ah bah attendez, ils sont deux. Ouf! Plein de trucs à récupérer ici. Si je descends en bas, je sens que... Moi, j'ai pas le choix, en fait. Hein. Je vais pas du tout avoir le choix. En fait, j'aurais dû descendre. Hein. Il y a des barils de partout. J'aurais eu une meilleure mobilité. Moi, j'ai vraiment tendance à m'acculer dans un coin et... Histoire qu'il y ait personne qui puisse venir me pécho par derrière et... Et c'est peut-être un de mes défauts, parce que ça m'empêche d'être mobile, en fait. Alors, être mobile, le désavantage, c'est que ça me force à m'adapter, et donc ça me force à réfléchir et à vraiment à réagir dans le feu de l'action, mais l'avantage, c'est que ça peut créer des opportunités.
et potentiellement me permettre de sauver des munitions. Ah! Ah! Wow, wow, les gars, wow, wow, on se calme. Pan! Dans les dents! Où est-ce qu'il est? Enfin, où est-ce qu'ils sont? Non, c'est bon, la musique s'est arrêtée, bon. Je l'entendais continuer, donc je... Ah bah ok, j'ai tout récupéré à cet étage. Je l'entendais continuer un peu, donc je pensais qu'il y en avait... Encore? Bon, de toute façon, il y en a, hein, vu les bruits que ça fait. Ah bah, la musique est repartie. Bon. Ah, merde, il se sépare. Bon, lui, je lui ai fait sauter la tête, je crois, c'est ça. Et lui aussi. Je serais pas contre un petit marchand dans pas trop longtemps, là. Mais je pense qu'on en est loin. Putain, c'est pas fini, hein. Ah, mais il fait quoi? Ta mère! Ah! Oh, mais il y en a un autre, encore! Putain, ils arrivent à l'infini ou j'espère pas, ça m'emmerderait un petit peu. Ouais, on se casse, vite. On avance, là j'en ai marre que les gars arrivent deux par deux là. On va se manier le fion. Wow! Mauvaise idée! Boum! Boum! Jamais tu mets ta hache dans le torse. Ouais, je pourrais utiliser le sniper, mais enfin... C'est vrai que le sniper est bien puissant, mais le problème c'est qu'il faut viser la tête. Ok, j'ai tout récupéré ici, je pense. Je suis revenu à l'étage où j'étais, d'accord. Je pense qu'on a vidé la zone, cette fois. Putain, c'est cette bombe tuyau, oh là là. Elle a vraiment fait du bien. Je... Franchement, là, pour le coup... Je vais en faire un. Ah bah ça continue, tiens donc. Oh mais ils sont combien? Oh là là, mais c'est dingue! Tiens dans le cul! Tiens, ça c'est dans ta tête de... Tiens, ça c'est pareil. Tiens, hop. T'es pas content. Tiens, toi c'est pareil. Même... même traitement. Bon, je récupère des trucs, mais j'ai même pas regardé ce que c'était. Hein. Ouah, putain de ta race! Attends, il est pas mort lui. Putain! Va te faire mettre! Casse-toi! Putain! Tiens. Tiens. T'es pas content? Je t'en mets une. Tu dis quoi?
Oh putain. Tiens. Je touche, je touche pas, c'est sûr, ouais. Oh putain, il fait 30 degrés, j'ai pas de ventilateur là. Je commence à m'exciter là, j'ai le sang qui monte, je... Et c'est calme d'un coup. On n'entend plus un cri. Okay, très bien. J'imagine qu'elle va m'être utile. Ok, bon ben... Non. Oh bordel, qu'est-ce qui m'attend encore? Ah non, j'ai cru que j'avais eu autre chose. Mais ils sont combien? Oh là 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 là. J'ai envie de faire comme dans Days Gone, là, de balancer une bombe sonore par terre pour tous les attirer, de balancer une grosse bombe tuyau à un cocktail Molotov pour tous les cramer d'un coup. Les ordres du roi sont arrivés. Nous devons nous replier. C'est rageant de devoir abandonner la forteresse frontalière à ces hérétiques. Si seulement nous avions un peu plus de temps, je suis sûr que nous pourrions renverser le cours de la bataille. Non, inutile de me mentir à moi-même. C'est ma curiosité qui me lie à cet endroit. Il y a dans les environs un certain nombre de vestiges dont les locaux disent qu'ils sont très anciens. 4 statues immenses qui entourent le lieu de cérémonie. Une grotte avec des symboles taillés dans la roche, et pour finir une sorte de piédestal de pierre qu'ils appellent le calice des géants. D'où viennent ceux qui en sont à l'origine et que leur est-il arrivé? C'est un déchirement de devoir abandonner cet endroit sans avoir de réponse à ces questions. Donc ce lieu... Alors visiblement, hein, c'est ce qu'on avait déjà... C'est l'impression que ça en laissait, hein, c'est que le lieu a une histoire... à sa propre histoire, en plus de celle qu'a voulu lui donner Umbrella. Et j'ai une sauvegarde et ça me plaît pas trop. Mais en quoi cette histoire est liée à Umbrella? Est-ce que ça l'est réellement ou pas? Je ne sais pas. Là, ça parle de roi, donc je pense pas qu'il y avait déjà... À moins que le lieu ait un passé avec des expériences bizarres.
déjà avant, enfin avant qu'Umbrella se mêle de tout ça, enfin ou The Connections hein, plutôt, plus récemment. Je pense qu'ils se sont juste servis du peut-être de l'histoire de ce lieu pour faire certaines choses. J'en sais rien, hein, je sais pas du tout. Aïe 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 aïe. C'est marrant, pour changer de munition avec ça, je suis obligé de pointer, sinon ça marche pas. Je suis obligé de faire ça. C'est très étrange. Alors je ne sais toujours pas à quoi vont me servir les trucs aveuglants, je pense que ça peut être utile. Si les ennemis sont par exemple dans un tas, je balance une grenade aveuglante, puis après bombe tuyau derrière et boum. Oh, j'ai pas envie de descendre. Oh ta race! Wow, 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 aïe, aïe, ta mère. Oh putain. Wouah, mais comment il m'a eu? J'étais à 2 km, sérieux? Wouah! Oh ta race! Mais putain, mais tire-lui dans la gueule! Oh putain, je me suis pris un... Mais putain, mais comment tu fais pour esquiver ça? Ah, je suis... Je suis quand même... Si, j'ai des mines. Viens là. Oh merde, mais... Il remonte. Je sais pas. Aïe! Je vois plus rien.
Pas bon? Par contre, il y a de moins en moins de piliers pour se cacher. C'est un peu dommage, ça. Pour moi. Waouh! Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai récupéré un truc. Non. Oh! 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 Putain, y a pas un... Y a pas un raccourci, là, pour... Pour faire un gros doigt d'honneur, y a pas une touche pour lui faire caca dessus, hein? Oh, je m'en suis bien tiré, je trouve. J'ai encore plein de balles, énormément de balles de flingue. J'ai, alors par contre, j'ai bouffé quand même quelques balles de Magnum. Bon, ça, il m'en reste. Et par contre, j'ai bouffé toutes mes, quasi toutes mes grenades, quoique. Sinon, c'est des grenades aveuglantes, ça. Ouais, bon. Je suis large. Je vais faire une mine. Quelques balles de fusil. Les grenades, pour le moment, on s'en fout. Eh ben, c'est... par contre, il y a un truc sur lequel ce Resident Evil ne lésine pas, c'est les affrontements épiques. Hein. Entre les loups-garous, les énormes loups, là, les putains de trolls avec leurs haches, lui, là, et les autres combats de boss. On est servi, hein. Je m'en suis quand même tapé presque... trois d'affilée. Lui, le troll d'avant, plus le loup. Ça fait beaucoup, hein. Oh! Encore un truc à récupérer là-dedans. Alors faut que je trouve quoi? Encore un truc au plafond? Que je n'aurais point vu? Oui. Non, attendez. Ah mais si, il y en a plein en fait. Je me disais je voyais des trucs briller, mais... Je pensais que c'était juste un effet de trucs qui brillent, mais non, c'est vraiment des trucs à récupérer, ok. Putain, il y en a encore. Ok. Bon, du coup, toujours pas le trésor. On verra plus tard. De toute façon, on n'est pas sorti encore. Hein. Et puis, on descend, donc... j'avais pas vu une... Ah, je pensais avoir vu une... Ah, si, il y a la sauvegarde qui est plus... Je vais retourner sauvegarder un petit coup, là. En plus, j'ai visiblement vu, oublié quelque chose. Si je peux. Non, je crois que je peux pas revenir. C'est fort dommage. C'est fort fort dommage. À mon avis, là, c'est foutu. Hein. Je pense que là, on est rentré dans une espèce de tunnel qui m'empêchera de revenir en arrière. Et là, on descend au sous-sol, donc peut-être que j'aurai accès au trésor de la forteresse. Oh, une nouvelle télé. Je pense qu'Heisenberg va me contacter. What? D'accord. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this.
Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Plat de Guglielmo, qui est donc, j'imagine, un des autres fondateurs. D'accord, ok. Ça marche. J'allais dire on est dans un tunnel, je pourrais pas revenir en arrière, mais si. Ah, j'ai pas débarqué, je pensais. Alors là, j'ai deux chemins. Soit je remonte et je ressors par le cimetière. Soit je vais par là. Où suis-je ? Remets-moi le couteau. Là. Je l'ai déjà eu, ce poisson. Je l'ai déjà buté. C'est celui qu'on a tué. C'est celui qui était. C'est celui qui était là-bas en bas, là. C'est celui qui était là. On a la photo du bateau qui était ici. Et le poisson qui sautait était là. Et la caméra était de passer par là et prendre dans cette direction-là. Opération d'implantation du cadou, sujet 174 à 181. Sujet 174, Mihai M. Homme 21 ans, orfèvre, antécédent de pneumonie, faible affinité. Le cadou ne s'est pas développé, transformation corporelle, baisse de la cognition, un autre lican relâché dans la nature. Bernadette B. Caractéristiques, femme 21 ans sans activité, pas d'antécédents médicaux, résultat d'essai. Sujet... Ouh... Sujet 180, Alcina D. Caractéristiques, femme, 44 ans, descendant d'une famille d'aristocrates déchus. N'est pas de ce village, maladie du sang héréditaire. Résultat, affinité très élevée, aucune perte de ses facultés cognitives. Peut contrôler les transformations de son corps. Application de la procédure de contrôle cognitif et envoi en observation. Je sens bien le truc venir où en fait Heisenberg est en fait un des... Pas d'accord. Pas d'a putain de corps. Merde putain.
Mais il y en a combien? Vous pétez le fion, les gars. Je rêve ou il esquive ma balle? Ok, donc je sais plus où j'en étais, mais je vois bien Heisenberg être en fait une espèce de sbire des Connections, infecté tout de même, hein, comme l'était Lucas dans Resident Evil 7. Un des sbires qui faisait du coup des expériences, donc... Enfin, ça me paraît très bizarre quand même, hein. Ça veut dire que c'est Heisenberg qui a créé Dimitrescu? Enfin, qui a créé la Dimitrescu qu'on connaît, hein. Bon, on remonte. Et moi, je vais peut-être retourner faire un tour dans la forteresse. Pour récupérer ce qu'il y avait dans ce truc de sauvegarde là-bas. Il y a peut-être moyen d'y retourner, je vais voir, hein, ça se trouve. Hein. C'est peut-être pas possible, mais on verra bien. À chaque fois que je suis retourné là-bas en ayant buté quelqu'un, il se passait un truc. Il se passe rien. Tant mieux. Je vais aller sauvegarder, quoique ouais, je sais pas où trop où je vais sauvegarder. On va faire ça ici pour le moment. J'ai envie de retourner à la forteresse quand même. Bon, écoutez, je vais faire un petit tour à la forteresse, voir si je peux y retourner, hein, sinon on ira... Attendez, je peux plus y revenir par là? Du tout. Il n'y a même pas une manivelle genre qui me permet d'abaisser le pont. Ah non, du tout. Ok, bon, très bien. Bon, ok, bon, je vais tenter de retourner à la forteresse, sinon on ira chez le marchand pour refaire le plein. Et puis déposer le dernier bocal. Hein.